Ah oui, salut. Ah oui, je voulais vous dire. Sur le Cap Vert, donc quand on est arrivé de nuit. Et bon, j'ai pas fait toutes les îles du Cap Vert, mais en tout cas, celle que j'ai fait, je peux vous dire que sur la carte, il y a des phares indiqués. Bon ben, ils sont indiqués quoi, voilà. Mais ils indiquent rien la nuit. Je m'explique. En fait, il n'y a pas de lumière sur les phares. Donc, bon, si vous arrivez de nuit et que vous avez un traceur de carte avec le GPS et que vous avez confiance en votre fond de plan qui est sur votre traceur de carte, vous pouvez arriver de nuit. Sinon, je vous conseille d'éviter. Si vous faites la navigation à l'ancienne avec le compas en reportant les amers sur une carte, bon ben si vous arrivez la nuit, faut pas y compter parce que de toute façon les îles sont pas éclairées. Faut border la grand voile. Ouais. Non, non, ça pas besoin, t'as juste à tirer. Voilà, encore, 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 encore. Voilà. Ok. Il n'y a pas de lumière. Bon, c'est original, hein. Ah, zut. Le vent change, il faut que je reborde toutes mes voiles. Donc là, on remonte du côté sud de l'île de Saint-Vincent au Cap-Vert. Vers Mindelo. Alors il faut savoir que l'île de Saint-Vincent est juste à côté de l'île de San Anto. Je suppose que San Antonio, je suppose. Enfin bon. Et que entre les îles, elles doivent être espacées à peu près de 5 milles. Et qu'entre ces deux îles, il y a un courant de 3 nœuds. Qui n'est pas toujours dans le même sens. Alors si j'ai bien compris, à marée montante, il y a un courant de 3 nœuds du sud vers le nord, et à marée descendante, il y a un courant de 3 nœuds du nord vers le sud. Sachant que à l'époque où on est là, les vents, il y a pratiquement tout le temps du vent est-nord-est. Donc dans la passe, vous aurez du vent de nord-est. Donc il faut éviter de se pointer dans la passe. Quand on vient du sud, il faut éviter de se pointer quand on a le courant de face. Parce que si on doit remonter au pré avec le courant de face, c'est pas gagné. Alors là, on a essayé de regarder les marées pour se pointer correctement. Et donc, on s'est pas planté, on remonte correctement. Parce que là, on est au pré, donc là c'est vrai que la mer est pas super formée, mais je pense que j'aurais pas dépassé les 5 nœuds. Hein. Et là on est à 7 nœuds. On remonte au pré serré, on est à 7 nœuds. Génial. Donc il doit bien y avoir 3 nœuds de courant, sauf que étant donné que je fais du pré, je fais pas en inbord, donc je suis obligé de mettre travers au courant. Et donc ça me fait quand même gagner 2 nœuds vers le nord. C'est pas mal, hein. Ah, enfin ça gîte. Ça fait des mois que ça n'a pas gîté. Ouais. Il y a 18 nœuds de vent là dans la passe. Donc c'est bien ça. On va se le faire en deux bords, Mindelo. Putain, je regarde là ma girouette. J'ai l'impression que je remonte pratiquement face au vent. Si je fais un cap par rapport au vent, c'est du délire. Eh, c'est normal, je suis à 8 nœuds maintenant. Hop, 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 hop. Wouh. Alors là, je suis au près à 8 nœuds.
Oh, il va de plus en plus vite ce bateau, je comprends pas. On est au près à 8 nœuds, c'est n'importe quoi. Oh, c'est redescendu, on est à 7-7. Allez, regardez. Bon, il y a peut-être un courant de plus de 3 nœuds. Hein. Parce qu'à mon avis, on est travers au courant là. À moins qu'il aille dans le même sens que nous. Je sais pas, on va voir quand on va tourner si on se retrouve scotché à deux nœuds. Oh merde, j'ai pas rangé le... Je pensais pas avoir du gros temps comme ça, moi. Il y a plein de trucs que j'ai pas rangé sur le bateau. On a les vagues de face. On remonte au vent et on est à 7,7 nœuds. Il doit quand même y avoir un méchant courant. Hein. La boîte avec le riz dedans. S'il te plaît. Bon là j'ai déconné, j'ai voulu vous faire un beau plan et je me suis pris une vague en pleine gueule. La caméra est trempée. Je vais la foutre dans le riz. Dans le bol avec le riz, ça va la sécher un peu là. Ah putain. Allez, ciao.